Le thème qu'on va essayer de développer ensemble cette semaine a été intitulé « Comment devient-on un héros ?». Alors bien sûr, il est lié à la fête de Hanouka, vous en doutez bien. Et on va un petit peu reprendre deux, trois notions liées à cette fête dans laquelle nous nous trouvons plongés. Hanouka qui veut dire littéralement « Hanouka, ils se sont reposés, kafei, le 25 ». C'est la fête donc qui célèbre le moment dans lequel le peuple d'Israël, à travers ce qu'on appelle les Maccabim, les Maccabées, va avoir une victoire qui est a priori complètement illogique contre l'Empire grec. On ne va pas revenir dans la dimension historique de la chose, très rapidement quand même. Rappelons-nous que la terre d'Israël a été conquise par les Assyro-Grecs, que ceux-ci donc vont commencer à mettre en place un régime dans lequel ils vont pousser le peuple juif, non pas à quitter sa terre, mais à quitter sa tradition, c'est-à-dire adopter un petit peu comme ces univers-là l'ont fait dans d'autres pays de conquête, à adopter donc leur mode de pensée, à les, comme on dira par la suite, les helléniser. Ils veulent en effet que le peuple d'Israël, en effet, attrape et récupère un petit peu le mode de pensée de la Grèce, qui était au fond la puissance dominante de l'époque. Pour cela, ils vont donc interdire un certain nombre de choses. Ils vont, entre autres, leur interdire la circoncision. Ils vont leur interdire aussi de pratiquer le Shabbat. Ils vont interdire aussi le fait de mettre en place le calendrier juif et de faire en telle sorte que nous ayons donc des dates de fête. Tout ça, c'est un processus qui est là pour, à terme, les amener à quitter un petit peu l'univers de la tradition juive. Mais tu restes. On reste en terre d'Israël, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'exil, mais au bout d'un moment, la spécificité de la dimension juive disparaît. Et à ce moment-là, une bonne partie des individus vont rentrer malheureusement dans ce système et vont au fur et à mesure perdre et abandonner la tradition juive et s'héléniser. Ça, c'est un petit peu la situation. À ce moment-là, on a donc un homme qui s'appelle Yehuda Maccabi qui va se lever et qui va créer la révolte, qui va créer ce qu'on appelle la résistance. Il va y avoir une résistance qui va s'organiser. Et cette résistance va aboutir à un certain nombre de batailles qui tourneront à l'avantage des Juifs. De manière très surprenante, puisqu'ils ont face à une des armées les plus puissantes de l'époque, ils sont un nombre extrêmement restreint, mais néanmoins, de manière miraculeuse, ils vont conquérir un certain nombre de villes, ils vont remporter un certain nombre de batailles, jusqu'au moment où ils se retrouvent à Jérusalem, et à Jérusalem, donc ils délivrent Jérusalem, et ils vont redémarrer le service du temple. Et c'est là, en effet, on arrive à ce fameux miracle, dans lequel ils veulent allumer à nouveau la menorah, c'est-à-dire le candélabre à sept branches, qui est dans le temple, et pour l'allumer, ils cherchent de l'huile d'olive qui a gardé un caractère de pureté. Traduction, de l'huile d'olive qui, en effet, au moment de son élaboration, n'a pas été en contact ni avec un mort, ni avec des animaux impurs, que sais-je. Donc, un processus très particulier. Ils ne la trouvent pas. Ils la recherchent. Toutes les huiles du temple ont été souillées jusqu'au moment où ils trouvent une petite fiole d'huile qui, elle, en effet, a toujours le cachet du grand prêtre et qui montre qu'elle est restée dans un état de pureté. À ce moment-là, que vont-ils faire ? Ils allument donc le candélabre à cette branche et de manière miraculeuse, cette huile qui devait brûler un seul jour va brûler 8 jours, temps nécessaire pour élaborer de nouveau de l'huile pure. Très bien, ça c'est très rapidement le cadre et suite à cela, on va instituer donc ces 8 jours de Hanouka pour célébrer, et c'est là où ça va être intéressant, pour célébrer quoi? Qu'est-ce qu'on va célébrer? Alors, à Hanouka, on a donc 2 choses qui se passent. Une victoire militaire et en même temps un miracle, on va dire complètement miraculeux, c'est-à-dire c'est totalement visible. Une quantité infime d'huile qui peut brûler 8 jours alors que normalement cette quantité aurait dû disparaître au bout d'un jour. Bien sûr, on va célébrer le second. Mais est-ce que véritablement c'est l'huile essentielle? Et là-dessus, on va voir un enseignement du Maharal de Prague qui va peut-être nous amener à voir les choses différemment. À la fête de Hanouka, dans la prière, nous rajoutons 2 textes. Dans un des textes, eh bien, nous exprimons notre reconnaissance, que l'on appelle Hoda'a, par rapport aux miracles qui ont eu lieu
lorsque l'on a gagné cette victoire, lorsqu'on a gagné ces batailles. Et puis par ailleurs, on fait aussi Hallel, c'est-à-dire on lit un certain nombre de textes de louanges qui sont des textes qui sont tirés des psaumes. C'est curieux de voir que cette fête est la seule dans laquelle on a introduit ces deux concepts. Puisque toutes les autres fêtes juives, lorsque l'on exprime les louanges, on dit juste un certain nombre de psaumes qui s'appellent le Hallel, et ça s'arrête là. Alors à cette fête, on va dire Hodot ou le Hallel. On va y à la fois exprimer des louanges, et en même temps, il va y avoir un texte particulier dans lequel on exprime notre reconnaissance par rapport à quoi ? Et c'est là où c'est curieux de voir que dans ce texte, à aucun moment on évoque le fameux miracle des 8 jours de l'huile qui a brûlé de manière miraculeuse. Dans ce texte-là, on va évoquer exclusivement les miracles de la guerre. Curieux. A priori, on aurait pu se dire, ben non, au contraire, c'est le miracle extraordinaire que l'on devrait célébrer, pas du tout. On parle de ce miracle, donc de cette guerre, qui a été remportée de manière assez surprenante par ce petit groupe de juifs. Et le Maharal de Prague va nous dire la chose suivante. Il va nous dire, au fond, la grande difficulté que nous avons lorsque nous arrivons à cette fête, et c'est là où on va commencer à rentrer maintenant dans notre sujet, c'est d'arriver à voir, à l'intérieur de quelque chose qui aurait pu être expliqué de manière plus ou moins rationnelle, une dimension miraculeuse. Et le Maharal de Prague va plus loin et va nous dire, la raison pour laquelle il va y avoir ce miracle de la fiole d'huile n'est là que pour nous aider à prendre conscience que le premier miracle, c'est-à-dire celui de la règle, de la guerre qui a été gagnée, est exactement dans la même dimension. C'est-à-dire qu'on va voir un événement totalement miraculeux, c'est-à-dire une petite quantité, et puis ça brûle 8 jours, c'est énorme. Mais pourquoi ? Pour nous aider à prendre conscience que derrière il y a quelque chose d'autre, qui est le miracle de cette guerre qui a été gagnée. Alors qu'on aurait très bien pu dire que cette victoire, eh bien, elle est liée au fait que le peuple d'Israël a une meilleure stratégie militaire, qu'ils ont eu plus de chances que d'habitude, que sais-je. Quel est au fond le point de départ de ce miracle, de cette guerre qui a été gagnée? Et c'est là où, en effet, on rentre dans l'univers de ce que la Torah définit comme étant un héros. On a ici une situation qui est a priori complexe. On a un peuple qui est complètement asservi. On a un peuple qui est soumis à une domination qui fonctionne partout et qui, quelque part, nous demande juste d'adopter un certain nombre de rites, de coutumes, de nous débarrasser de quelques oripeaux de judaïsme, tout en nous laissant notre lieu, tout en nous laissant même le temple de Jérusalem, tout en nous laissant habiter dans notre terre. La première dimension héroïque, elle est où ? Elle est dans la capacité que vont avoir un nombre infime de juifs de réaliser que, comme le but ultime du peuple d'Israël n'est pas juste d'être sur sa terre, mais c'est de transporter la parole divine et de la vivre, eh bien, il rentre en guerre alors qu'a priori, il n'y a pas de nécessité à le faire. Lorsque l'on est soumis à un ennemi qui nous a servi de manière lourde, lorsque l'on est soumis à une situation dans laquelle, en effet, on est écrasé sous le poids de l'esclavage, on peut en effet imaginer qu'il puisse y avoir une forme de révolte et de révolution qui s'élabore. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est confronté à une situation difficile. On est confronté à quelque chose qui est du domaine de la servitude. Donc la révolte est justifiée par la situation dans laquelle on est, qui la plupart du temps est une difficulté. Or là, si on regarde, le peuple d'Israël n'est plus dans un état de difficulté. Ils sont là. C'est vrai que on a ici une puissance occupante, mais cette puissance occupante donne un droit politique au lieu qui est occupé. Il y a un droit politique. Le grand prêtre existe toujours. Il y a une forme, entre guillemets, de gouvernement juif. Bien sûr, soumis lui-même à Athènes, lui-même soumis en effet à la civilisation grecque, mais somme toute, il y a une forme d'indépendance nationale. Il y a une liberté de mouvement.
Il n'y a pas ici d'asservissement. Il y a en effet une demande de la part de l'occupant de mettre un petit peu de côté certaines spécificités et de rentrer un petit peu dans le moule de l'Empire. La première dimension héroïque, c'est de refuser cette situation. Le héros, c'est d'abord celui qui réalise que le confort dans lequel il peut être est quelque chose qui est en danger par rapport au projet qui doit être le sien. Et pour arriver à faire cela, il faut être capable de savoir où est l'essentiel. Lorsque quelqu'un prend le risque de se poser la question de où est l'essentiel, il rentre dans l'univers de l'héroïsme. Parce qu'il rentre dans un univers dans lequel nécessairement, il va être dans un mouvement, dans une transformation. Il va s'inscrire souvent en faux par rapport au monde dans lequel il est, pour pouvoir vivre suivant ses convictions profondes. Il n'y a pas trop de mérite à être un héros lorsqu'on est confronté à des situations lourdes. Il n'y a pas trop de mérite à être un héros quand, en effet, il faut intervenir parce que sinon c'est la catastrophe absolue. Il n'y a pas trop de mérite à devenir résistant quand la puissance occupante est quelque chose qui est totalement destructrice. Par contre, lorsque l'environnement a priori est calme, lorsqu'a priori le quotidien est plus ou moins gérable, lorsque ce qu'on nous demande de mettre de côté, ce n'est au fond pas fondamental, même si c'est important, pourquoi se révolter? Pourquoi aller s'inscrire en faux? Pourquoi se mettre en risque? Pourquoi rentrer dans une guerre dans laquelle on risque fort de sortir vaincu et qui est sûrement extrêmement, qu'on peut, pardonnez-moi, difficilement justifier aux yeux de ceux qui sont autour. D'ailleurs, les Maccabim, ça a été ça le problème. Le premier problème des Maccabim, ça pétait juste de s'inscrire dans un combat face à la puissance occupante. C'est d'arriver à faire adhérer, et ils vont y réussir, mais fort peu, les autres juifs à leur révolte. Les Maccabim vont rester sans arrêt un nombre extrêmement restreint. Pourquoi ? Parce que l'immense majorité des juifs qui sont à ce moment-là sur la terre d'Israël ne voient pas l'intérêt d'une révolte, ne voient pas la nécessité à un moment de prendre les armes. Pourquoi au fond prendre les risques d'un combat dans lequel il y a de fortes chances que l'on perde? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, le héros va être celui qui est capable de réaliser que s'installer dans ce qu'il est à l'instant l'empêche d'atteindre ce qui est son véritable projet, qui est capable de commencer à mettre en place une démarche dans laquelle il n'aura même pas l'assentiment des autres, ou en tout cas même s'il en a l'assentiment, cela sera exclusivement d'une minorité. Et plus que cela, de s'engager dans un combat qui est a priori perdu d'avance dans les règles de la logique. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu t'engages? Pourquoi tu commences ce combat? Ça sert à quoi? Ce combat, il est d'abord là pour valider chez nous les valeurs qui nous sont essentielles. Il y a une Gemara qui nous dit la chose suivante. Normalement, si on demande à un juif de manger du porc, sinon on le tue, il mange. Si on demande à un juif de transgresser Shabbat, si on le tue, il transgresse Shabbat. Si on demande à un juif le jour de Yom Kippour de manger du porc, sinon on le tue, il transgresse le jour de Kippour, il mange du porc le jour de Kippour. Clairement. Mais la Gemara nous dit, ça, c'est valable dans une situation dans laquelle il n'y a pas une confrontation majeure entre nous et un autre système. Juste, on se retrouve face à des abrutis qui, à un moment, utilisent leur force pour nous obliger à faire certaines choses. Mais lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle chatchmad, c'est-à-dire lorsque le combat n'est pas juste une problématique individuelle, mais quand on est confronté à un système qui veut éradiquer le judaïsme et ce qu'il est dans son essence du peuple d'Israël, c'est-à-dire lorsque on est là dans un désir de faire disparaître ce qui est l'essentiel même du peuple juif, de le faire disparaître sa dimension qu'on va dire religieuse, spirituelle, la Gemara va très loin, elle dit, si à ce moment-là la coutume des juifs était de mettre des lacets noirs, et que la coutume de ceux qui en effet veulent les assimiler est de mettre des lacets verts, et qu'ils disent « je t'oblige à mettre des lacets verts, sinon je te tue », tu te laisses tuer. Attends, pas exagérer. Pourquoi? Parce que l'enjeu derrière, il est au fond l'enjeu de la disparition de la spiritualité. L'enjeu derrière, il est celui de la disparition de la spécificité. Et donc là,
On doit être prêt à donner sa vie, c'est-à-dire à devenir un héros. Être prêt à se battre pour montrer que là se situe le combat essentiel. Souvent, les héros se battent, mais pour de mauvaises causes. Souvent, on est héros, alors que ça ne servait à rien au fond de se battre. Regardez un exemple qui, a priori, un héros et un anti-héros. Abraham. Abraham, vous allez voir deux histoires très particulières. Première histoire avec Abraham, c'est quoi? C'est que Abraham va être prêt à se laisser jeter dans la fournaise ardente pour ne pas abjurer sa foi dans un Dieu unique. Alors vous allez dire, c'est ridicule. Pourquoi tu vas dans une fournaise? Et si on te brûle, après c'est fichu, tu ne peux plus rien transmettre. Ils disent, pas grave. Par contre, il y a un peu plus tard une histoire très curieuse dans laquelle justement on aurait attendu qu'Abraham soit le héros tel qu'on le voit dans nos sociétés, et c'est exactement le contraire. De quoi s'agit-il? Abraham est avec son épouse Sarah. Sarah est une femme qui était fort belle. Abraham se retrouve à un moment confronté à une rencontre avec le système égyptien dans lequel il sait qu'il y a de fortes chances que l'on récupère son épouse pour l'amener dans le harem royal du pharaon. D'accord? Qu'est-ce que Abraham fait? Abraham se tourne vers son épouse et lui dit, voilà, on va se retrouver dans une situation dans laquelle il y a de fortes chances qu'à un moment on dise, allez, on te prend, on te récupère et tu vas maintenant chez le roi. Alors, Abraham soit un héros, le proche chevalier qui se bat jusqu'à la mort pour sa bien-aimée. D'accord, normalement c'est comme ça que c'est le héros. Bon, mais il meurt, mais il s'est battu jusqu'au bout, à fond, quoi. Pas du tout. Abraham, il est là, il dit, bon, Sarah, écoute, c'est ce qu'on va faire. Tu vas dire que tu es ma sœur et que ça va changer. Il dit, parce que si tu es ma sœur, dans ce cas-là, ils diront, mais on récupère ta sœur. Donc dans tous les cas de figure, elle va se retrouver chez le roi. Mais il dit, mais comme je ne suis plus ton mari officiellement, donc ils ne me tueront pas. Parce que vous comprenez, à cette époque-là, on avait une certaine forme d'éthique. On ne prenait pas la femme de quelqu'un pour l'amener au roi. Non, on en faisait une veuve éplorée. Donc ils ont tué le mari, maintenant c'est une pauvre veuve éplorée, puis maintenant on a quand même une éthique, n'est-ce pas? Et donc Abraham dit, alors voilà, c'est très simple. Tu vas dire que tu es ma sœur, et tu vas te retrouver donc chez le roi, c'est vrai, mais en même temps, moi, j'aurai la vie sauve. Hey, ta femme, elle est aux mains du machin, t'as pas honte? Où est le héros? Pourquoi Abraham ne le fait pas? Abraham ne le fait pas pour une raison très simple. C'est que ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À quoi ça va servir qu'il parte maintenant? À quoi ça va servir qu'il parte maintenant? Et qu'il dise, je suis son mari et je me bats pour elle. Concrètement, à rien. C'est-à-dire que concrètement, ça ne fera pas avancer l'histoire. Concrètement, ils vont le tuer et elle va se retrouver chez lui. Ah! Maintenant, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on voit le héros. Abraham, il est pragmatique. Il dit, de toute façon, dans les deux cas de figure, tu risques d'être prise. Tu risques d'être prise dans les deux cas de figure. Alors, autant que je continue à vivre, on aura toujours le temps de voir ce qui se passe derrière. Et même si derrière, je peux rien faire, ben toi, de toute façon, fichu pour fichu, tu y es. Et moi, je continue à vivre et on verra qu'est-ce que sera mon histoire. L'héroïsme d'Abraham ne se manifeste pas dans ce que nous aurions pu imaginer. Il se manifeste quand il est prêt à donner sa vie pour une idée. Mais dans un autre cas dans lequel il ne s'agit pas d'idée, mais il s'agit tout simplement d'une confrontation à une situation, la grandeur d'Abraham, c'est de faire preuve d'une forme de pragmatisme absolu, dans laquelle il ne se soucie pas du tout de l'image qu'on aura de lui, dans laquelle il n'occupe pas de posture qu'on peut applaudir, mais dans lequel il se dit, je regarde la suite de l'histoire. Ah, si tu veux regarder la suite de l'histoire, alors pourquoi tu te laisses aller dans la fournaise? Parce que là, en effet, pour cela, on doit être prêt à se laisser tuer. C'est-à-dire que l'héroïsme, il est là pour révéler au monde, il est là pour se révéler à soi-même et aux autres, qu'il y a des valeurs fondamentales pour lesquelles on doit être prêt à un moment à mourir. Et décider que si on est prêt à mourir pour ses valeurs, alors maintenant dans notre vie, on va décider de vivre pour elles. C'est une idée que donnait souvent Rav Noir Weinberg. Il dit qu'un juif
Le véritable héros, c'est celui qui est capable de savoir pour quelle chose, pour quelle idée fondamentale il serait prêt à mourir. Et une fois qu'il l'a définie, à ce moment-là, décider de vivre pour cette idée. Et de faire en telle sorte que toute sa vie soit tournée vers cette idée pour laquelle il serait prêt à donner sa vie. On ne te demande pas de mourir, on te demande de vivre. Mais de vivre pour une idée qui justifierait le fait qu'à un moment tu pourrais donner ta vie. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau des Maccabim. Les Maccabim, ils sont ici maintenant en train de donner cette leçon au peuple d'Israël sur ce qu'est le héros véritable. C'est celui qui, à un moment, est capable de prendre conscience de où sont les enjeux véritables. Et à partir de là, de mettre en place un processus et un système. C'est pour cela que l'on va signifier à Hanouka que le miracle extraordinaire, c'est quoi ? C'est la victoire, mais la victoire, c'est pas tant la victoire que l'on applaudit. C'est le fait qu'il y ait un processus qui amène la bataille. Le fait que les Maccabim n'ont pas eu peur de se lever et de se dire « on y va ». On y va pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le choix. Ah, les autres ne valideront pas. Ah, les autres diront « ça ne sert à rien ». Ah, les autres diront « mais au fond, on est dans une situation relativement simple ». A priori, tout va bien, même si c'est vrai, on est obligé maintenant de mettre de côté un certain nombre de choses. Les Maccabim disent « ça, c'est pas une vie. Si c'est ça la vie, ça ne vaut pas la peine de la vivre ». Ah, maintenant, quel sera le résultat ? On rentre, on sort, pardonnez-moi ici, de l'univers de la logique, et on fait les choses parce qu'on sait que c'est comme ça et seulement comme ça qu'on doit les faire. Au passage, cet héroïsme-là, il s'est situé là dans cette bataille, mais si on ouvre de manière beaucoup plus large, on va le retrouver dans plein d'autres domaines. C'est la capacité que l'on a de mettre en danger quelque chose pour pouvoir continuer à faire exister une idée primordiale. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne terriblement au quotidien. Il y a énormément de choses que l'on peut mettre en danger si on respecte ou si on veut faire en telle sorte de respecter ce qui est pour nous primordial, ce qui est pour nous fondamental. On peut mettre en danger une carrière si on est prêt en effet à se battre pour Shabbat. On peut mettre en danger en effet une forme d'équilibre si on est prêt à renoncer à certaines relations qui n'ont pas de sens. On peut mettre en danger un univers relationnel si en effet on considère que les lois de la cacheroute et d'autres lois sont fondamentales. Oui, en effet, on met en danger. On les met en danger. Là, on est un héros. Parce que quelque part, vous, pour les autres, ils diront « mais t'es fou. Tu sacrifies quelque chose. Pourquoi ?» À la limite, on menacerait de tuer, enfin on serait dans la chose. Alors d'accord, mais là, à quoi tu joues ? Arrête de jouer les héros. Arrête de jouer celui qui dit « au nom de ce que je crois, eh bien je suis prêt à renoncer à certaines choses et mettre en danger une certaine forme de confort d'existence. » Et la difficulté de ce héros, c'est que la majeure partie du temps, personne ne va l'applaudir. C'est qu'au contraire, il va être considéré comme étant, comme quelqu'un, pardonnez-moi, qui n'a pas de... qui n'a rien compris. Il va être dévalorisé. Vous imaginez, il a mis de côté une carrière, il a mis de côté quelque chose, il a mis de côté ceci et cela. Pourquoi ? Pour des valeurs ? C'est pas normal. Surtout pour des valeurs religieuses. Tu mets en danger ta vie pour pouvoir réintroduire le Shabbat. Mais alors tu feras Shabbat une autre fois. Et puis c'est pas grave, on gardera l'esprit du Shabbat et puis juste les... la Defina et le Gefilte Fish, et ça suffit amplement, quoi. Pas la peine de... Tu dis à la personne, excusez-moi, je dois me lever, je dois aller prier parce que j'ai pas encore pu le faire aujourd'hui, mais attends, tu mets en danger ton rendez-vous, et alors ? Tu te refuses d'avoir certaines attitudes qui peuvent à un moment te mettre au banc de la société. Tu te refuses de fonctionner comme tout le monde parce que c'est ça le vrai héros. Comment est-ce qu'on le devient ? Comment est-ce qu'on met en place ? Parce que le héros que l'on applaudit a toujours la force des applaudissements pour lui permettre d'être un héros. Le héros qui intervient et que tout le monde dit « oui, c'est normal, on doit le faire, c'est la défense de la veuve et de l'orphelin », on parlera de ses actions d'éclat dans l'histoire. On parlera de lui en effet. Mais ce qui est très intéressant, c'est le héros qui est capable de faire des choses qui vont contre son éthique, non, qui vont justement dans le sens de son éthique, même si pour les autres c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Et ce qui est curieux, c'est que
Est-ce qu'on est prêt à s'inspirer de cela pour pouvoir fonctionner nous aussi de cette manière? C'est-à-dire, posons-nous la question, quel est le dernier acte d'héroïsme que j'ai fait pour préserver ma vie spirituelle? Quel est le dernier acte d'héroïsme que j'ai fait pour pouvoir vivre suivant mon éthique? Quelle est la dernière fois où j'ai renoncé à une chose qui peut être importante? Et surtout, ce qui va nous permettre d'avoir le bon baromètre, c'est si vous demandez aux autres ce qu'ils en pensent. En dehors de ceux qui adhèrent profondément à votre vision des choses, si généralement la réponse sera un sourire de commisération, si la réponse sera « vous êtes ridicule, vous êtes bien bête, pourquoi vous êtes prêt à renoncer à ça pour ça ?» alors il y a de fortes chances qu'on soit dans l'univers de l'héroïsme. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à construire une attitude pareille? Vous savez, ça va très loin. Parce qu'aujourd'hui, un héros, c'est quelqu'un qui est capable, c'est une femme qui est capable de refuser une promotion parce qu'elle n'est pas prête à payer n'importe quel prix pour ça. Elle n'est pas prête à renoncer à la possibilité de donner la vie. Elle n'est pas prête à renoncer à l'image qu'elle a d'elle-même et à garder son éthique. Il y a une forme d'héroïsme, surtout dans une société qui nous dit au bout d'un moment, ça va, c'est pas si fondamental. Il y a un héroïsme là-dedans, réel, de celui qui à un moment va renoncer à certaines études qui lui auraient beaucoup plu, mais qui risquent de l'amener immanquablement à ne plus pouvoir construire sa vie en mettant au centre sa relation à la spiritualité et l'étude de la Torah. Et celui-là, personne ne l'applaudit. Et la plupart du temps, et je me répète, on a tendance à se moquer de lui, à le considérer comme étant quelqu'un d'arriéré, à le considérer comme quelqu'un qui... Et ce qui est très curieux, c'est que regardez, si cette démarche, elle est là, mais elle est exprimée, non pas au nom du religieux, mais au niveau... au nom du développement personnel, du savoir, de l'ouverture, de la curiosité, alors là, c'est applaudissable. Là, en effet, on dit pourquoi? Parce que ça rentre plus ou moins dans ce que la société accepte. Une société accepte que quelqu'un, à un moment, au nom d'un idéal moral, au nom d'un idéal d'aider les autres, soit prêt à renoncer. Mais au nom de quelque chose qui prend sa racine dans l'univers du religieux, ça, c'est pas possible. Si vous mettez quelque chose qui est dans le domaine d'aider les autres, alors là, celui-là, en effet, va être validé, celui-là va être applaudi. Mais si vous mettez quelque chose qui est au fond dans l'univers de ce que j'appellerais le religieux, le spirituel, alors la plupart du temps, on n'y verra pas grand-chose. Ça, c'est une première catégorie de héros. On va essayer de voir comment est-ce qu'on le devient, mais avant, je voudrais vous citer une seconde catégorie. Il y a un texte du Talmud dans le traité de Shabbat qui dit la chose suivante. La Gemara nous dit Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Ané lavim venanolvim. Ceux qui sont méprisés et qui ne méprisent pas. Shomim cherpatan venam meshivim. Qui entendent la manière dont on se moque d'eux et qui ne répondent pas. Aussi, me'ava v'usmechim be'issourin, qui continuent à faire les choses que l'on attend d'eux par amour et sont capables même d'être heureux lorsqu'ils sont confrontés et d'être joyeux quand ils ont des difficultés. Allez, anakatu vomer, c'est leur sujet que le verset dit, v'ohavav ketset hachem eshbikvurato, et ceux que Dieu aime sont à l'image du soleil, bikvurato, dans sa toute-puissance. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte est en train de nous parler d'une autre catégorie de héros. Hané lavim venanovim, mais qui sont toujours des héros non visibles, des héros cachés. Si demain on vous demande de décrire la personne qui est le héros, qui est le symbole, etc. et tout, la plupart du temps, héros de la résistance, héros de ceci, héros de cela, ce sont des personnes qui ont fait des actes dont on peut se porter le héros R-A-U-T, c'est-à-dire dont on peut parler. Il a fait ceci, il a fait cela, il a mené telle bagarre, il a monté tel projet, il a... On en parle, il y a des choses à dire. Généralement, c'est ça. Quand on vous parle de héros,
De manière générale, on va vous parler de leurs hauts faits. On va vous parler de manière générale de ce qu'ils ont réalisé dans différents domaines. Et là, la Gemara nous dit, c'est quoi un héros au fond? C'est a priori quelqu'un qui est arrivé à la plénitude de quelque chose. Le texte nous dit, il y a un verset qui dit, « Et ceux que Dieu aime sont à l'image du soleil lorsqu'il sort dans sa toute-puissance. » C'est quoi cette image? Le soleil dans sa toute-puissance, c'est l'expression de l'énergie la plus énorme que l'on peut voir dans le monde. Le soleil, c'est un lieu d'énergie. On sait que l'énergie la plus incroyable que l'on puisse percevoir à notre niveau dans le monde, c'est l'énergie du soleil, qui est capable de nous éclairer, de nous réchauffer, enfin de faire tout ce qu'il fait. Le soleil qui sort dans sa toute-puissance, c'est la dimension de l'énergie la plus immense, la plus extraordinaire. Dieu dit, qu'est-ce que je définis comme étant le héros absolu? C'est-à-dire celui qui révèle l'humain dans sa plénitude la plus immense qui soit. C'est quelqu'un qui tout simplement a été méprisé, ne méprise pas. A entendu que l'on se moquait de lui et qui n'a pas répondu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans l'univers de l'invisible. Incroyable. C'est-à-dire que l'héroïsme, la seconde dimension de l'héroïsme, elle se retrouve toujours, comme on vient de le voir, dans quelque chose que l'on ne peut applaudir. On considère que quelqu'un qui est méprisé, qui ne répond pas, quelqu'un dont on s'est moqué et qui se tait, on ne considère pas ça comme chez nous comme étant une forme de grandeur. Au contraire, on voit cela comme étant une forme de faiblesse. Quelqu'un sur lequel on a dit des choses pas gentilles et qui ne répond pas, c'est un peureux. C'est-à-dire qu'on n'applaudira pas celui qui ne réagira pas. On n'applaudira pas celui qui est capable de prendre sur lui, d'être méprisé et de ne pas à son tour mépriser l'autre. Et l'Agma nous dit, c'est celui-là que l'on définit comme étant le héros par excellence. C'est-à-dire qu'on va voir que pour la Torah, le héros, c'est généralement celui qui, pour les autres, est surtout tout sauf le héros. Celui qui est capable de sacrifier quelque chose, de mettre en danger son confort d'existence pour une idée spirituelle qui va au-delà de tout, de celui qui est capable de prendre sur lui et de renoncer à avoir des réactions dans des situations dans lesquelles on attendrait justement qu'il réagisse. Vous savez, quand le texte nous dit ça, le texte ne nous parle pas de quelqu'un que l'on insulte, mais celui qui l'insulte, c'est quelqu'un qui mesure 2 mètres de haut sur 1 mètre de large. Il s'agit d'un cas dans lequel il aurait pu répondre, il aurait pu dire, et malgré tout il dit rien. Situation dans laquelle justement j'ai la possibilité de réagir, j'ai la possibilité de répondre, j'ai la bouche pour, j'ai la carrure pour. Et dans ce cas-là, il se tait, il ne réagit pas. Ça c'est véritablement non seulement le héros, mais celui que la Torah appelle Ohavav, celui qu'Akadosh Baruch Hu aime. Comment on arrive à devenir cela? Comment est-ce que on peut aboutir au fond à cette dimension? Le point de départ, tel que je le comprends en tout cas, commence d'abord par réinstaller à l'intérieur de nous quelles sont les valeurs fondamentales que l'on ne peut à aucun moment abandonner. Quelles sont les choses qui, pour nous, sont les plus importantes? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ma vie? C'est quoi les choses les plus importantes? On ne parle pas au niveau émotionnel, le conjoint, les parents, les frères, les sœurs, non, non. C'est quoi pour moi la chose qui est au centre même de mon existence? Qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Autour de quoi ma vie doit tourner? De quoi je veux m'enorgueillir après 120 ans d'avoir fait? Quelle est la chose qui pour moi incarne le mieux ce que doit être l'existence? On doit se poser la question à un moment. C'est quoi cette chose? Une fois qu'on est arrivé à poser la question, il y a dire une réponse. La plupart du temps, ce qui montre que notre réponse est vraie, c'est qu'elle n'est pas politiquement correcte. C'est-à-dire qu'elle est risible pour la plupart de ceux qui sont autour de nous. Ça est déjà le premier indicateur de tendance. Si quand vous dites que quelque chose est fondamental, on se moque de vous, c'est qu'il y a de fortes chances que vous soyez dans l'univers du vrai. Parce qu'on est dans ce que l'on appelle, dit le Zohar, Alma de Shikra, le monde du mensonge. Il y a un monde dans lequel on veut inverser les valeurs. Un monde dans lequel on préfère faire des valeurs de l'éphémère, des valeurs qui sont fondamentales et des valeurs qui sont du domaine de l'éternel, des valeurs qui n'ont pas lieu d'être.
Donc déjà là, c'est ça le héros. Celui qui n'a pas peur à un moment de s'inscrire en faux. Celui qui n'a pas peur à un moment de dire à quoi il croit profondément et d'être prêt à en tirer des conséquences au niveau de sa vie, comme les Maccabim. Les Maccabim ont dit, le peuple juif sans la Brit Mila, sans la circoncision, le peuple juif sans Shabbat, le peuple juif sans Torah, c'est plus le peuple juif. Ah, mais t'as un peuple juif sur sa terre avec son temple qui fonctionne plus ou moins, même si c'est une ambiance un peu particulière. Ah, on est là, on est toujours ensemble, il y a les familles qui sont là. Bon, alors c'est vrai, en plus, on est dans la modernité. On est dans la modernité, on est dans l'hellénisme, ça y est, on change de nom, de prénom, etc. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça devient Jason, ou qui tu veux, quoi. Donc, c'est, on est dedans, quoi. Les Maccabées me disent, mais même pas, c'est pas ça. Vous êtes fous? C'est pas ça. Et à partir du moment où c'est pas ça, j'en tire des conclusions. Et là, on rentre dans l'univers de l'héroïsme. Ah, tu renonces? Ouais. Le héros, c'est celui qui est capable de savoir mettre de côté l'univers de l'éphémère pour entrer dans l'univers de l'éternité. C'est celui qui est capable de s'inscrire, comme on l'a dit, en faux, par rapport au système dans lequel il se trouve. C'est celui qui est capable de décider quelles sont les valeurs pour lesquelles il serait prêt à mourir et vivre pour elles. Et ça, ça commence d'abord par se poser une question. Quelles sont ces valeurs? Quelles sont les valeurs auxquelles je crois profondément? Quelles sont les valeurs qui sont celles qui m'ont été transmises? Comment se fait-il que des gens ont été prêts à mettre en risque leur vie, en péril leur existence, pour pouvoir continuer à faire la Brit Mila? Pourquoi ils ont été prêts à aller jusqu'à ce qui pouvait les amener à la mort? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont été prêts à se laisser tuer plutôt que de transgresser le Shabbat? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était tout sauf des imbéciles. Et à ce moment-là, le héros, c'est celui qui prend le risque de se poser la question et il prend surtout le risque après de s'exposer à la réponse. Parce qu'une fois qu'il va avoir la réponse, il va devoir vivre maintenant. Toute sa vie à l'aune de ces choses qui sont devenues pour lui maintenant fondamentales. Donc, il faut un courage. Il faut un véritable courage, et ce courage, on l'a tous. Il faut juste tout simplement être prêt à un moment à ce que j'appellerais passer à l'acte. C'est-à-dire, next. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? La seconde dimension, on est la vim venan olvim. Être méprisé, ne pas mépriser. On va dire, mais en quoi ici c'est un héros? C'est un héros parce que on est dans un monde dans lequel on considère qu'il y a un créateur. Et que dans la mesure où une situation de ce type nous arrive, c'est qu'elle est là pour transformer quelque chose chez nous. Le héros, c'est celui qui accepte de vivre la situation et sa dimension de transformation, et non pas de la rejeter. Quand l'autre te méprise et que tu lui rentres dedans, alors tu mets ton énergie à lui rendre l'appareil, et tu ne l'utiliseras pas pour comprendre. Qu'est-ce qu'on est en train de t'apprendre comme leçon? En quoi tu dois grandir pour cela? En quoi tu dois grandir à travers cette expérience? Cette expérience, elle sert à quoi maintenant? Pourquoi il faut l'utiliser? Il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi qui disait à propos de ses souffrances, « Bahou alay chaviva, il venait chez moi, disait-il, de ses souffrances, mes chéris. » C'est-à-dire, il voyait même dans ses difficultés de vie, non pas des choses à combattre, mais des éléments qui allaient lui permettre à lui de grandir encore plus. Et c'est là où, en effet, celui qui est un héros est celui qui est prêt à avoir cette vision du monde. C'est sûr que, à nouveau, la difficulté, c'est qu'elle t'inscrit en faux par rapport au système dans lequel tu te trouves. Et j'ai envie de dire que plus on aura tendance à se moquer de nous lorsque l'on sera vigilant par rapport à ce genre de choses, plus il y a de chances que l'on soit dans l'univers du vrai. Qu'est-ce qui a fait qu'une bonne partie du peuple juif n'a pas réussi? Qu'est-ce qui va faire qu'une bonne partie du clan Israël n'a pas pu rentrer dans cette dynamique? Eh bien, c'est ça le symbole justement de ce que l'on va voir avec le miracle des 8 jours de Hanouka. Hanouka, on allume avec quoi? Avec de l'huile. On peut allumer avec autre chose.
mais avec de l'huile d'olive. L'huile a ceci comme particularité, c'est que c'est un liquide qui n'est pas miscible ou difficilement miscible avec les autres. C'est-à-dire que l'huile surnage sur les autres liquides, traduction, ce qui donne ou ce qui empêche à quelqu'un de le devenir, c'est quand justement il oublie que de manière radicale, il ne pourrait jamais se mélanger au monde dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'à un moment, en plus nous avons entre guillemets la chance que l'histoire nous a rappelé que même lorsque l'on a envie de se mélanger totalement aux nations qui sont autour de nous, au bout d'un moment, dès qu'on est trop proche, ça nous renvoie dans nos filets. Dès qu'on arrive trop proche, il dit « Oh, repars, juif ». Non, non, tu t'es converti, tu es avec nous, etc., mais tu restes un juif. Regardez, on a investi l'univers des arts, de la science, etc., et tout. On apporte à l'humanité 30% de prix Nobel, les juifs. Un comité aujourd'hui qui s'élève contre cette multiplicité de prix Nobel juifs, quoi. Repartez chez vous. C'est très intéressant. Pourtant, au contraire. Donc, cette dimension, de toute façon, on a la chance, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir une histoire qui nous relate que quand à un moment on a vraiment voulu faire une mayonnaise, c'est-à-dire on a mis l'huile et l'eau, on a bien mélangé, on a pensé qu'à un moment, ça y est, c'était complètement en osmose. Donc, la Torah me dit, voilà, ce qui est fondamental, c'est quoi? C'est de rappeler qu'en effet, il y a deux univers qui sont non miscibles, ils sont en contact, mais ce sont deux univers radicalement différents. Je sais que dans cette période et cette époque dans laquelle on parle d'œcuménisme et de communauté nationale et de peace and love, c'est pas du tout politiquement correct, c'est vrai. Mais il est où le problème? C'est quoi le problème de dire que ton identité et mon identité ne sont pas la même? C'est quoi le problème de dire que ton histoire et mon histoire ne sont pas les mêmes? C'est quoi le problème de dire que ta responsabilité et ma responsabilité ne sont pas les mêmes? Il est où le problème au fond? C'est que si je dis que j'ai une responsabilité, ça veut dire que tu en as une. Et si moi j'assume la mienne, alors toi en quoi tu assumes la tienne? Si je dis que j'ai une histoire et que je dois faire émerger ma spécificité dans l'histoire, alors pose-toi la question de savoir toi pourquoi tu ne la fais pas émerger. Lorsqu'on arrête, lorsqu'on fait disparaître cette dimension de responsabilité par rapport à notre histoire, en nous mélangeant tous, on crée quelque chose qui est tout sauf un projet commun. On se contente de vivre. Et on ne pose plus la question de la responsabilité qui est liée à la conscience de notre spécificité. À Hanouka, on dit le clan Israël, il est spécifique, comme les nations sont aussi spécifiques. Et donc, mais là, il n'y a pas de raison de se mélanger, parce que chacun doit construire quelque chose de particulier dans l'univers. Donc si nous, on construit, toi, tu construis. C'est pour ça qu'on est d'accord que le peuple juif se mélange, pour faire disparaître ce principe de responsabilité. Mais quand il se mélange de trop, on dit « Oh, faut pas exagérer quand même ». Ah oh, t'exagères, mais mélange-toi, un peu, comme ça t'oublies ta particularité. C'est-à-dire en deux mots, viens manger à ma table. Mais si vraiment t'es complètement moi, non ça je veux pas. Mais quand tu manges à ma table, quand tu vis comme moi, quand tu mets de côté ton Shabbat et tout le reste, c'est-à-dire qu'en deux mots, tu n'assumes plus ta particularité. Donc si tu ne l'assumes plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de particularité. Si t'en as pas, j'en ai pas, donc tout va bien. À Hanouka, on te dit non. À Hanouka, on te dit que tu as une histoire particulière. Et quand tu sais que tu as une histoire particulière, ça veut dire que l'autre aussi a une histoire particulière. Et l'autre, comme il ne veut pas assumer son histoire particulière, alors il veut te mélanger à lui pour décider qu'il n'y a pas d'histoire particulière. Intéressant. Deuxième chose, c'est que l'huile d'olive, elle se retrouve comment? Elle s'exprime à travers le fait qu'on presse les olives. Ça veut dire qu'à un moment, pour faire émerger notre particularité, il faut être soumis à une pression. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le confort d'un quotidien dans lequel tout est facile que tu pourras découvrir ce que doit être la particularité de ton histoire. C'est dans la confrontation à la difficulté que tu fais émerger véritablement ce que tu dois être. On n'est pas obligé de souffrir. Mais la difficulté, c'est quand les choses nous demandent un effort, nous demandent un dépassement. Lorsqu'on ne se contente pas juste d'entretenir un confort, mais on fait en telle sorte, en effet, de faire émerger quelque chose de particulier. Ça, c'est la dimension de l'huile d'olive, c'est-à-dire quelque chose qui s'écrase, quelque chose qui se malaxe, quelque chose donc qui s'exprime à travers une forme de pression. Et c'est ça qu'on est en train de nous apprendre. On nous dit, voilà, devenir un héros, ça s'obtient comment? En développant cet état d'esprit à l'intérieur de notre vie. En n'ayant pas peur à un moment d'assumer la dimension particulière de notre histoire. En n'ayant pas peur d'être soumis à quelque chose qui est du domaine de la pression. En n'ayant pas peur à un moment, en effet, de voir que nous avons des histoires différentes chacun et vivre pleinement la nôtre, même si les autres ne vont pas l'applaudir, parce que ça, c'est pas mon problème, c'est mon histoire.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore devenir des héros? Alors regardez, c'est très curieux parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a un concept que l'on appelle le concept de Krishnuka. Krishnuka, c'est-à-dire, il y a le sapin et il y a la menorah devant. Pourquoi? Krishnuka, c'est très connu. Ah ben, bien sûr. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se joue derrière? Alors, quand vous demandez à des parents, la plupart du temps, ils vont vous dire « Non, mais les pauvres enfants, il ne faut pas les traumatiser, ils parlent tous du sapin. » Et les pauvres, ils se sentent un petit peu différents. Alors, vous leur dites « Non, mais ils ont la Chanoukia. » Ils ont « Oui, ils disent oui, non, mais quand même. » Tout le monde a, et puis au fond, quel est le problème? C'est ça le problème. Tu veux pas à ton enfant, tu veux pas donner à ton enfant la possibilité de devenir un héros. C'est-à-dire que tu es en train de lui transmettre que dans la vie, supporter sa particularité et assumer à un moment le fait que l'on est différent de l'autre, c'est quelque chose de trop difficile. Il vaut mieux faire comme tout le monde et ne pas être confronté à quelque chose qui, à un moment, va te renvoyer à ton histoire particulière. Quelle éducation! On pense leur faire plaisir, mais au fond, on oublie de faire émerger l'essentiel de leur histoire. Et ça, c'est très intéressant. C'est la raison pour laquelle on va, pour certains, le premier de l'an, réveillonner. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils vont être traumatisés. Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de manger de la dinde? Tu veux manger du saumon fumé? Tu veux une bûche? Pas de problème. Fais ça le 23 mars, le 17 septembre, le 14 août, le 18 avril. Si c'est ça qui te manque. Ce qui te manque, c'est de ne pas être avec tout le monde au même moment. Oui, en effet, je ne suis pas avec tout le monde au même moment. Et alors? C'est quoi le problème? Lui, il se sent traumatisé de ne pas fêter Rosh Hashanah. Non. Alors pourquoi toi, ça te traumatise de ne pas fêter son Rosh Hashanah? Pourquoi ça nous pose problème? Posons-nous la question. Pourquoi ça nous pose problème? Ah oui, mais vous comprenez, faut être bien dans l'ambiance. C'est ça, t'as raison, fais la mayonnaise, mon frère. T'as l'huile et l'eau et mélange. Mélange. Mais je te rappelle que tu restes juif. Et viendra un moment dans lequel on te le rappellera, je te rassure tout de suite. De manière plus ou moins sympathique. Alors pourquoi t'as fait ta mayonnaise? C'est parce que tout simplement tu ne veux pas être un héros. Tu ne veux pas ce soir-là te dire, mais au fond ce soir, et comme tous les autres soirs, si ce n'est que demain matin, je ne vais pas travailler que donc j'aurai une journée entière. Pourquoi? Pour étudier, pour apprendre, pour faire des choses. Génial! On m'a offert un jour en plus, dans lequel je peux développer des choses que je n'ai pas l'habitude de développer. Non, je vais me coucher à 6h du matin, je vais me réveiller à 4h de l'après-midi, et le temps sera passé, Mazal Tov, j'aurai l'impression d'avoir passé quelque chose. Le héros, c'est celui qui est capable de dire aux autres, non, non, je suis désolé, non, non. Pourquoi? Et pourquoi oui? Et pourquoi pas? Mais pourquoi oui? Explique-moi le pourquoi oui. C'est ça qui va être très intéressant. Pourquoi oui? C'est quoi ce plus? Non mais tu comprends, il ne faut pas se séparer... Ah! T'as raison mon frère. C'est exactement ce qui s'est passé avec les juifs hellénisants. Il ne faut pas se séparer. Il faut être comme eux, plus ou moins. Mais attention, c'est cachère. Ouais, t'as raison, c'est cachère. Mais au fond, le système, il est le même. Et on est là, on est dedans. On peut devenir un héros au fond très facilement si on réalise. À un moment, ne pas avoir peur de dire « oui, je m'inscris en faux ». C'est important de le faire, je pense encore plus aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de héros. On a besoin de héros, non pas de héros que l'on applaudit, mais de héros qui savent s'applaudir eux-mêmes. On a besoin de héros invisibles, mais c'est ceux qui construisent véritablement l'histoire. On a besoin aujourd'hui en effet de personnes qui sont capables de s'affranchir à un moment. Des modèles ambiants et des systèmes et de ce que la société les pousse à être pour devenir ce qu'ils doivent être. On a besoin de personnes qui sont prêtes à un moment à se dire « mais où sont mes fondamentaux ?» On a besoin de personnes qui doivent être capables de dire « je sais pourquoi je renonce ». On a besoin de ces personnes-là. De personnes qui disent à un moment « non, je ne suivrai pas le chemin de la mode. Je ne sacrifierai pas ce qui est fondamental parce que la mode me le demande de le faire. » Vous savez, le nombre de choses auxquelles on sacrifie aujourd'hui parce que tout le monde le fait, sans entrer dans les détails, mais
Les gamines dans les cours de lycée à 14, 15, 16 ans, hein, c'est quoi leur question? Si elles font partie de l'autre club. Pourquoi? Parce que comme ça se fait, alors on le fait. Au nom de quoi? Le héros, c'est celui qui dit, mais même pas en rêve. Le héros, c'est le garçon qui dira, et alors? Ouais, t'es nul. Et alors? Qui a dit que c'est ça la nullité? Qui a dit ça? Toi? C'est-à-dire que tu me demandes de fonctionner comme ça pour te rassurer, te dire que peut-être ton système, il est le bon. Et pourquoi on ne ferait pas le contraire? C'est intéressant de voir jusqu'à où ça va. C'est on est capable de sacrifier des choses fondamentales parce que tout simplement, on a peur d'être un vrai héros, c'est-à-dire celui que l'on n'applaudira pas, celui dont on se moquera, celui dont on dira « mais t'es ridicule ». C'est intéressant, cette peur, cette difficulté que l'on a. Si on est capable à un moment de prendre conscience de ça, alors la fête de Hanouka a du sens. Alors là, véritablement, on peut en faire quelque chose. C'est pas juste des ambiances et des cadeaux, c'est pas juste des allumages, mais c'est quelque chose qui rentre beaucoup plus en profondeur. Des choses qui, au fond, nous amènent à aboutir à quelque chose de véritablement plus élevé. Alors, si vous le voulez, ce choix-là, chacun d'entre nous peut le faire. À nous de savoir si on est prêt à le faire et si surtout, on est prêt à l'assumer. On passe aux questions, si vous le voulez. Je veux juste vérifier parce que je vois qu'on n'a pas allumé ce soir. Je vais voir s'il en reste. Il y a des personnes qui n'ont pas encore allumé, je suppose, ce soir, des bougies de Hanouka. Non, mais on va peut-être, avant de passer aux questions, puisqu'il y a une notion de... Je vais les allumer, d'accord. Il y a des personnes qui n'ont pas encore allumé ce soir? Très bien, donc je vais faire la bénédiction. Et Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Hitzanu Bemitzvotav Vetzivanu Lad Likner Shel Chanuka. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, She'asa Nisim Lavotenu Bayamim Ahem Bazman Hazeh. Voilà. הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים, על הפוכן ועל הפוכן. שעושים עושים את זה כאן, אחר כדי שם. יש לנו יש במילה יורסן. וואלה. Comme ça, pendant la séance des questions, on aura face à nous ces lumières de Hanouka qui continuent encore un peu à brûler. Voilà, allez-y, à vous les questions. Oui. Vous avez parlé des fêtes de Noël et du Nouvel An, par exemple. Mm-hmm. Et je ne sais pas, moi, je ne vois pas la culture. Noël, c'est une fête religieuse, mm-hmm. certes, mais le Nouvel An, il y a un problème. Moi, je vois une différence entre l'assimilation et aussi se mettre, entre guillemets, par rapport aux fêtes qu'on fait de tous les jours. C'est-à-dire qu'on a quand même le calendrier. Le Nouvel An, il y a le Nouvel An pour Shana, mais il y a aussi d'autres Nouvel An qui est quand même dans le calendrier dans lequel nous vivons. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut faire l'amalgame entre fêter Noël et fêter le Nouvel An. Donc dans ma tête, c'est deux choses qui sont différentes. Enfin, à aucun moment, il est évident que fêter Noël, ça serait un peu bizarre. Pourquoi? Après tout, pourquoi? Mais je vais vous dire très simplement, parce que c'était la nuit des pogroms, hein, rappelez-vous. C'était la nuit dans laquelle les communautés se terraient, se cachaient, parce que c'était les nuits dans lesquelles, une fois qu'ils avaient fini de boire, généralement, on allait se faire quelques juifs. Ne l'oublions pas quand même, hein. D'origine ashkenaz, dans nos communautés, on sait ce que c'était. La nuit de Noël, c'est la nuit où tout le monde restait bien caché chez soi. Ça, déjà un premier point. Maintenant, le Nouvel An, et pourquoi oui? Et pourquoi oui? Et pourquoi pas, parce que c'est... Ah, pourquoi pas? On prend le cours. Pour Noël, mais c'est vrai que le Nouvel On reprend An, le cours. Le passage de la Nouvelle Année dans la... De quelle Nouvelle Année? La Nouvelle Année, l'année dans la... Solaire? Non, c'était avant le 1er avril. Hein. Civil, on l'a fixé, super. Vous savez ce qui a marqué dans les anciens calendriers? C'est ce qui a marqué dans les anciens calendriers? Il y a marqué la circoncision. C'est-à-dire que le 8e, c'est le 8e jour après la naissance de... D'accord? De Marie et... D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Hein. Deuxièmement, et c'est là tout le problème. La difficulté, c'est justement le fait que tu poses la question. Mais en même temps, c'est... Parce que ça nous montre bien qu'à un moment, on dit, mais il est où le problème?
Et notre problème à nous, c'est que justement, on n'arrive plus à voir où est le problème. C'est ça, mais c'est-à-dire, c'est notre, c'est pas la tienne, hein, c'est notre difficulté. Et notre difficulté, c'est de me dire, mais il est où le problème? Tout le monde est en train de ripailler, pourquoi je ne ripaillerai pas avec tout le monde? Et la question, elle est de savoir, mais pourquoi j'ai besoin de ripailler ce soir? Parce que tout le monde ripaille, pourquoi? Et ça sert à quoi? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que l'on fête? Ah, j'ai envie de faire une fête? Pourquoi ce soir avec tout le monde? C'est-à-dire que toute l'idée de l'assimilation et de ce que les Hélènes ont voulu mettre en place, c'était ça. C'était qu'à un moment, le juif s'inscrive dans le modèle hellénique. Helléniste, pardonnez-moi. À un moment, on va, mais et pourquoi ne pas fêter les Saturnales et les machins et tout, au fond? Et c'est là où, en effet, c'est le début un peu de la fin. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne voit plus où est le problème. Parce que justement, on se dit, maintenant, mais ce n'est pas mon histoire. Cette société est une société dans laquelle je vis, mais je ne m'inscris pas à l'intérieur d'elle. Je sais qu'aujourd'hui, mon discours, il est ultra politiquement incorrect. Et qu'aujourd'hui, on adore entendre des discours dans lesquels, mais pas du tout, nous faisons partie d'une communauté, nous devons être ensemble. Mais il n'y a aucun problème. Avoir une attitude morale, éthique, aider l'autre, il n'y a aucun problème. Quel qu'il soit, mon voisin, je l'aide. Quel qu'il soit, je l'aide, je lui donne un coup de main, il n'y a aucun problème. C'est comme quand à un moment, ils font la fête du voisinage. Quand tu as besoin de dire qu'on a besoin de fêter le fait qu'on est voisin, ça prouve qu'il y a un vrai déficit dans la relation. Bien, on va fêter notre amitié, mais si on est ami, on n'a pas besoin de fêter l'amitié, elle est là, l'amitié. À un moment, personne ne se pose la question, imaginons où on en est réduit à faire une soirée dans laquelle brusquement on va prendre à se parler les uns les autres. C'est-à-dire que toute l'année, tu ne parles pas. C'est-à-dire que toute l'année, l'autre, il n'existe pas, tu as décidé de le faire exister juste ce soir. Moi, au contraire, je me dis, mais c'est ça mon drame. C'est que moi, j'ai besoin de voir l'autre comme mon voisin tous les jours. Que tous les jours, en effet, j'ai pas peur de lui parler, de lui rendre service s'il me demande de rendre service. J'ai pas besoin de le fêter un soir. Et ce qui est intéressant ici, c'est justement, c'est-à-dire que, voilà, c'est le moment dans lequel on fête le nouvel an. Mais pourquoi ça me dérange de ne pas le fêter? Parce qu'à un moment, je me sens différent des autres. Eh oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que je ne fête pas le nouvel an. Pourquoi? Et pourquoi oui? Et je vais te dire pourquoi oui. Pourquoi je ne le fête pas? Parce que justement, je veux montrer les limites de la relation que j'ai avec toi. Parce qu'à un moment, je montre bien que nous vivons dans deux univers. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ton histoire et j'ai mon histoire. Le fait que tu aies ton histoire et mon histoire, il faut bien se le signifier à un moment d'une manière. Et c'est vrai que ce sont des choses qui sont très imperceptibles. Ce sont des choses qui sont extrêmement fines et... Les maîtres du Moussard disent que c'est un peu le drame de notre génération. C'est qu'il y a des choses qui, au fond, étaient du domaine de l'évidence et qui, aujourd'hui, on ne perçoit plus. Je vais être un peu violent dans ce que je dis. On aurait fêté le Nouvel An en Allemagne nazie? Non. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, son attitude nous renvoyait bien. Je peux me retrouver à en festoyer avec l'autre. Je ne peux pas. Et c'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décide que ce n'est signifiant de rien. Mais ce n'est pas vrai. C'est signifiant de quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et notre problème à nous en tant que juifs, c'est d'arriver à un moment à percevoir cela. D'arriver, c'est-à-dire, c'est comme un petit peu toute la problématique de ce qu'on appelle le raffinement au niveau du langage. Quand on dit aux gens que l'individu doit être dans une élégance du langage, doit être dans un raffinement de la parole, c'est quelque chose qui semble curieux. Quand on dit aux personnes, vous savez, ne serait-ce que manger dehors, c'est quelque chose qui ne sied pas un être humain digne de ce nom, on se dit, mais c'est quoi ce fou? Parce que tout simplement, nous avons perdu cette finesse et cette perception des choses. Et c'est intéressant de voir que on n'est pas ici dans un problème de cache-route ou de passe, et l'univers de la séparation, clairement. Et je sais bien que c'est difficile à entendre. C'est l'univers dans lequel on met de côté ces fantasmes du monde dans lequel, peace and love, on est tous les uns avec les autres. Et en effet, on assume le fait qu'on a une identité propre. Mais je comprends. Enfin, je pense que oui, mais je comprends toujours pas. Pourquoi
pourquoi ce besoin de séparer autant, en fait ? C'est-à-dire, oui, on est un peuple, le peuple juif, on a des certaines choses différemment, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non, mais je ne te parle pas de problème d'assimilation, je trouve que c'est important de garder toute notre coutume. Mais tu verras que l'univers dans lequel on n'a pas séparé, c'est l'univers qui, à terme, s'est complètement perdu. Fais le constat, hein. Fais le constat que dans les univers dans lesquels la transmission a continué à exister de manière forte, c'est l'univers dans lequel à un moment on a dit « mais on ne réveillonne pas ». Et que l'univers dans lequel on a continué à faire les plats de Shabbat et toute l'ambiance, mais dans lequel on a dit « mais pourquoi on ne ferait pas le réveillon ?» Au bout d'un moment, eh bien, au fond, eux et nous, c'est la même chose. Avec nous, le fait qu'on a des plats spécifiques, qu'on a des ambiances particulières, mais ça s'arrête là. Mais c'est vrai que le problème, c'est que l'enjeu de la différence, l'enjeu de la séparation est toujours vécu dans nos sociétés comme étant l'enjeu du jugement négatif, l'enjeu de celui qui se voit supérieur. Mais en quoi ça pose problème d'être différent ? En quoi cette différence pose problème ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant à comprendre. C'est pourquoi, au fond, on a tellement peur, à un moment, d'être ceux qui... Ouais, ben, t'as ton histoire, j'ai mon histoire. Et mon histoire me remplit suffisamment, j'ai pas besoin de... Et si j'ai envie de faire la fête, pourquoi je la fais au même moment que toi ? C'est-à-dire que, quelque part, j'ai envie d'un lien. J'ai envie de me sentir en lien avec toi. J'ai envie de... Je ne veux pas me sentir différent. Ça m'angoisse. C'est dur de se sentir... Ouais, je suis différent. Et c'est vrai que c'est... Je comprends que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Vous savez, c'est d'ailleurs très intéressant dans tous les univers dans lesquels il va y avoir une assimilation à terme extrêmement forte. On a commencé d'abord par ça. Justement par des choses dans lesquelles il n'y avait pas d'enjeu majeur. Et au fur et à mesure, eh bien, ce sont ces valeurs-là qui sont devenues essentielles et les valeurs juives ont disparu. Les valeurs de la République, les valeurs de ceci, les valeurs de cela. Et puis après, les valeurs de la Torah, elles n'étaient plus là. Oui, un instant. C'est par rapport à cette notion de séparation. Je comprends tout à fait qu'il faille en effet installer une bonne distance entre les autres et nous, mais c'est quand la séparation, elle est même à l'intérieur de notre peuple, selon les degrés de l'implication religieuse. Et là, je trouve ça gênant. Que ça vient rompre cette unité qui est tellement fondamentale. Alors, cette séparation-là n'a pas lieu d'être. Malheureusement, c'est un échec. Il est évident que quand on commence à se sentir différent de l'autre parce qu'il n'a pas le même niveau de pratique, là, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai, vrai, vrai problème. C'est une vraie difficulté. Parce que justement, l'unité du peuple juif est fondamentale et l'unité... C'est la capacité de savoir se retrouver tous autour d'un tronc commun, même si parfois les branches vont dans certaines directions. Ça, c'est, je pense que s'il y a un enjeu aujourd'hui majeur dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est justement de ne pas tomber dans cet univers dans lequel on se sent mechoulak, c'est-à-dire complètement séparé des autres. Parce que ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur du peuple juif, ça fait des ravages, alors que dans la relation que le peuple d'Israël avec des nations, a priori, ça ne devrait poser aucun problème. Donc oui, en effet, ça fait partie des grands enjeux du peuple d'Israël. Oui. Autre question. Oui. Je t'écoute. Est-ce qu'il existe pas une sorte de confusion, en fait, entre tout ce qui est un peu la vie, etc., par le fait que souvent, c'est mimé sur le alors que le Nouvel An, c'est une sorte de célébration du passage d'une année à l'autre, mais c'est une idée du renouvellement de la création qui a été plus ou moins mimée. Il est évident qu'après, plein de choses s'entremêlent, mais Rosh Hashanah, c'est un moment de crainte, un moment dans lequel... Si ce n'était la halakha qui nous disait qu'il fallait ce jour-là manger, on ne mangerait pas. Hein, faut pas l'oublier. Et là, on est justement dans l'univers du lâcher-prise. Donc, c'est tellement différent. Ça, c'est deux...
Le juif se prépare à Rosh Hashanah à travers une démarche d'introspection. Il repense à ce qu'il est, ce qu'il doit faire, ce que l'on attend de lui, où il en est dans ses projets, comment il doit faire. Encore de manière générale, dans les univers dans lesquels on est, de ce que j'ai l'impression, hein, maintenant je me trompe peut-être, c'est légèrement différent. C'est l'univers justement de comment on va faire la fête, comment on va faire bombance, comment on va boire, comment on va se laisser aller, comment on va dépasser les limites. Entre toi et moi, je vois pas très bien le rapport. On est dans deux univers qui n'ont rien à voir ici. D'accord ? Oui ? Une petite question par rapport à la question de madame. Quand on est pratiquement une vie de famille, etc., et que, par exemple, mettons une belle famille est moins pratiquante que vous, par exemple, est-ce que le shalom baït ou le respect, le kavod des parents ne devrait pas, comment dire, adoucir une certaine vision, mettre Alors, c'est vrai, mais la question, je vais raconter une histoire. Il y avait comme ça un jour, deux maîtres qui voyageaient, chacun était dans son carrosse. Et puis à un moment, les deux ont appris que l'autre maître arrivait en face. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils l'ont appris, les deux sont descendus de leur carrosse et c'est là où ils ont pu se rencontrer. C'est-à-dire ce mouvement, pourquoi est-ce qu'on le demande d'un côté, pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas de l'autre? C'est-à-dire que souvent on demande à celui qui s'engage dans sa démarche de renoncer à sa démarche pour pouvoir rester dans la relation avec l'autre. Mais à quel moment j'ai un mouvement de l'autre côté aussi? C'est pour cela que quand vous renoncez, vous ne vous retrouverez, parce que si un descend de son carrosse mais l'autre reste à l'intérieur, on ne se retrouvera jamais. C'est intéressant de voir que les gens... Alors, je vais donner un exemple très simple. Souvent, les gens disent, voilà, on va prendre l'univers du respect des parents. Ils disent, au nom du respect des parents, tu devrais renoncer à telle et telle chose. D'accord? Et j'ai envie de dire à ces parents-là, au nom du respect de la Torah, vous devriez-vous renoncer à certaines choses? Mais là, il y a une intimité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des beaux parents, il n'y a pas ce... Il y a un respect à avoir, il y a un vrai mur, en fait. Ah, qu'est-ce qu'on fait quand les... Ben, et quelque part, là, on va rentrer dans l'axe un peu plus psychologique. Quand des beaux-parents nous demandent de renoncer à ce que l'on est pour pouvoir être proche, en deux mots, ils demandent de prendre le pouvoir. Donc on leur dit qu'ils sont bien gentils, mais non. C'est-à-dire, c'est, derrière ça, c'est ça au fond. C'est-à-dire, en deux mots, on ne t'acceptera que dans la mesure où tu te soumets à nos conditions. Bon, ben, c'est où la limite maintenant? Ça va être aussi, non, ton fils, il doit s'appeler comme ça. Hein. Et puis, mon fils, il lui fait à manger ça. Et puis, en vacances, il est hors de question que vous n'alliez pas avec nous. Et puis, je ne vois pas pourquoi vous ne passeriez pas le Shabbat chez nous, alors que nous, on a considéré que c'est normal. C'est-à-dire qu'à un moment, on rentre dans un système de... C'est très signifiant, ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est un moment, on décide, nous, comment doit s'organiser la relation. Mais non. Ah, vous considérez que pour pouvoir être accepté, il faut qu'à un moment, on fonctionne comme vous désirez. Bon, ben tant pis, on n'y peut rien. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que sur... Ce qui est très intéressant, c'est cette forme de focale. Parfois, les gens disent, vous vous rendez compte, ils ne veulent pas venir le Shabbat prendre la voiture pour venir chez nous. Je dis, mais en dehors de ça... En dehors de ce point-là, je comprends. Sur le reste, c'est sympa, ça se passe bien, ils sont gentils, on écoute, on se parle. Ouais, bon, alors d'accord. Alors pourquoi c'est ce point-là? Parce que ce point-là, c'est le point religieux. C'est le point dans lequel t'incarnes, quoi? Le fait que tu as choisi des choses et que tu les assumes. Et tu renvoies l'autre. Parce que c'est intéressant, c'est comme dans toute relation. Dans toute relation, il y a toujours un point qui dysfonctionne. Mais si on se focalise sur ce point qui dysfonctionne, la relation, elle n'existe plus. Si par contre tu regardes tout ce qui va, tu vois, bon, tout va, mais il y a ce point-là. Ah, ma belle-fille est géniale, elle est adorable, on se parle, on est gentil. Ah bon, il y a une petite difficulté, c'est quand elle vient chez nous, elle mange pas parce qu'elle mange strictement cachère. Bon, mais en dehors de ce problème-là, elle est sympa, elle est souriante, elle s'occupe de ton fils, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe, tout va. Oui, nous. Alors, elle ne veut pas manger quand t'as fait à manger. Non. Le reste n'existe pas, le problème, il est là. C'est curieux, hein? Pourquoi? Parce que justement, ce point-là, il montre que je suis capable, à un moment, de faire un choix, de me positionner, et je te remets face à toi-même. Et c'est là où, en effet, le conflit se met en place. J'y peux rien. Ani shalom v'chi adaber emala milchama, il a marqué. Moi, je suis paix, et c'est ce que je désire. Emala milchama, les autres veulent faire la guerre, j'y peux rien. Si à un moment, quelqu'un a envie de dire que l'enjeu de la relation, il se situe au fait que je ne mange pas dans ton assiette, je lui ai dit, mais attendez, je comprends pas, c'est honteux, vous voulez pas manger.
Oui, mais en dehors de ça, tout va bien. Je suis gentil, je suis souriant, on se parle, je suis à votre écoute, je suis de bonne compagnie, ça va? Ouais, bon, alors d'accord, alors. Ce point-là, il n'existe pas. Surtout qu'il ne te remet même pas en cause toi en tant qu'individu. Et ça, non, au nom du shalom, au nom du shalom. Non. Et c'est là où, en effet, on voit où se situer. Et c'est là où on commence à devenir un héros. Oui. Je sais pas rien. Parce qu'on se retrouve aussi autour des repas et quand justement l'autre, les autres ne viennent pas chez vous. Mais attendez, mais je vais vous dire la chose suivante. Mais ton arrière-grand-mère, elle n'aurait pas mangé chez toi. Parce que ton arrière-grand-mère et ton arrière-arrière-grand-mère, elles n'auraient jamais mangé chez toi. Jamais. Tu sais, je te la fais revivre, ton arrière-grand-mère. Elle va venir manger chez toi. Mais attention, hein, va falloir que tu trempes la vaisselle, que tu décides que tu as une vaisselle de lait et de viande. Tu dis, ah non, même pas en rêve. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours et tu trempes et tu fais les deux vaisselles. Ça veut dire quoi? Qui a trahi? Qui a trahi? À un moment, il faut quand même se poser la question. Hein. Et là-dessus, je suis désolé. Ah, tu considères que c'est du pipeau? D'accord, quand tu les reverras, tu leur diras. Ça sera intéressant. Ce serait intéressant. En effet, ils étaient, alors oui, beaucoup de gens disent, ils étaient dans l'obscurantisme, ils étaient dans le truc. Bon. Donc toi, tu es devenu quelqu'un d'éclairé. Pourquoi? Parce que tu t'es révolté. Tu es fort, tu t'es révolté. Ben, je suis ta trace, je me révolte contre toi. On rapporte l'histoire de ce Rav qui est venu, quelqu'un lui a dit, je vous tue et j'en ai marre. Il dit, pourquoi? Il dit, mon fils ne veut plus manger chez moi. Il dit, moi je me suis affranchi de mon père et de toutes ces bêtises, et regardez dans quoi vous le refaites tomber. Il dit, mais ton fils suit exactement ton chemin. T'as rejeté ton père, il rejette le sien. Pour retrouver son histoire. À un moment, vous savez, c'est... Alors bien sûr, il y a tout un contexte psychologique, et moi je vous le dis de cette manière, il faut savoir l'arrêt, la manière, et comment le dire, et au niveau communication, je ne vais pas vous donner un cours de communication maintenant, vous ne lirez jamais comme ça. Il y a mille et une manières de faire passer les messages sans être obligé d'être comme ça. Mais là, je veux juste reposer les choses, un moment de manière claire. C'est remettre en place les enjeux, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Après, bien sûr, je comprends, ils ont l'impression d'être rejetés, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, alors, je sais comment on fait pour faire passer les messages. Je leur dis, mais vous êtes géniaux, c'est extraordinaire, mais vous comprenez. Non, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si à un moment, c'est niette, il faut m'expliquer. Et l'enjeu, la plupart du temps, il est où? Il est dans le problème, justement, de la prise de pouvoir. Et le désir que l'on a de ne pas se laisser remettre en cause. Tov, on arrête ici. Je vous souhaite Shavua Tov à toutes et à tous.